Mela et Nicolas Laudina. C'est n'importe quoi. Et on va voir aussi là, si t'as le même discours, vas-y, je te laisse et je te dirai. C'est n'importe quoi. Mais quand je dis c'est n'importe quoi, c'est un coup oui, un coup non, un coup. Euh, ils sont fous autant l'un que l'autre. Et je pense qu'ils étaient trop fous, trop fous pour, euh, pour former un, un binôme choc. Mais au final, ils en ont surpris plus d'un. Mais est-ce que c'est vrai que Mélanie parlait mal, était exécrable avec tout le ah monde oui. et qu'elle était détestée par tout le monde moi, Non, pas par tout le monde parce que moi, je la kiffais. Voilà, beaucoup m'ont dit franchement Mélana, elle, personne ne la supportait. Moi, je l'ai kiffée. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un de franc. C'est-à-dire qu'elle est franche de, de A à Z. Par exemple, je vais te donner un exemple. Vas-y. Bon, moi, aussi. je le sais, je la connais, une mais pour anecdote, pour que tout le monde sache. Une petite sache. anecdote. On s'entendait très bien avec Mélanie, Très, très bien. Il y pas de souci. Même de... On, se, on se cherchait un peu, on s'amusait. Bon. Et elle vient me voir et me dit euh, voilà, Je veux pas qu'il y ait de malentendu ou quoi que ce soit, je, vais te, je te le dis, je vais voter contre toi. Voilà. Et je préfère quelqu'un qui va me dire ça, sachant que voilà, on était un peu complices, etc., plutôt que quelqu'un qui va me, me la faire à l'envers. ou voilà. Donc c'est pour ça, moi je l'ai vraiment kiffé et euh, moi, on avait une bonne complicité avec Mélanite.